je m'appelle Marc Royer, je suis le gérant de cartonnage du château depuis 2004. J'étais au préalable gestionnaire du site pour un très gros groupe espagnol qui a souhaité se séparer de ce site. Donc je l'ai repris en 2004. Nous étions 7 à l'époque, toute petite structure, mais très intéressante, déjà dans le packaging, déjà dans les boîtes. Et depuis cette date, il y a eu plusieurs changements, plusieurs innovations, plusieurs achats de machines pour nous permettre d'évoluer. Aujourd'hui, en 2022, nous sommes 35. Le chiffre d'affaires a été multiplié par 8 et la société se porte bien avec comme vocation l'innovation, la recherche technique, d'où le fait que nous ayons été intéressés par la Icon il y a quelques années. Alors historiquement, cette société a été créée en 1987 par des industriels de la région qui ne trouvaient plus de fabricants. Mais ce n'était pas leur métier, donc très rapidement ils ont revendu à un petit groupe français, lui-même racheté par le groupe espagnol dont j'ai parlé il y a quelques instants. Mais ce n'est pas une société familiale, je suis arrivé débauché par le groupe espagnol en 2002, donc il n'y a pas d'attache familiale dans la structure à ce jour. Je suis originaire d'une région à quelques centaines de kilomètres d'ici, et c'est ce même groupe espagnol qui m'avait fait venir puisque au préalable je travaillais sur Paris. J'ai découvert cette magnifique région il y a donc 22 ans lorsque je suis arrivé et je m'y sens d'ailleurs très bien. C'est une très belle situation géographique puisque nous sommes en plein cœur de l'Europe. Mon arrivée dans le packaging, c'est une histoire de hasard. Juste à côté de où j'habitais, une école de packaging a été créée, une école d'ingénieurs, très belle école. Et c'est en discutant avec certains professeurs que l'idée a germé. Et donc depuis, j'ai fait une école d'emballage, j'ai démarré dans l'emballage carton. Et mon premier directeur me disait que dans l'emballage carton, on y faisait 6 mois ou on y faisait carrière. Ça fait maintenant 25 ans, j'ai peur de devoir y faire ma carrière et avec énormément de plaisir parce que c'est un domaine qui est fabuleux, qui est passionnant. Cartonnage du château se développe très régulièrement et continue à se développer de plus en plus vite puisque partant d'une étape très très basse, d'un point très bas, il nous a fallu innover, il nous a fallu beaucoup investir. Ces investissements sont arrivés au fur et à mesure et ceci nous permet aujourd'hui de pouvoir attaquer de plus en plus de marchés, de pouvoir répondre à de plus en plus d'attentes de nos clients. Ce qui fait qu'actuellement, on a des pourcentages de développement qui sont très importants, d'où encore de très gros investissements qui arrivent, qui ont été faits et qui continueront à arriver. Pourquoi investir? Pourquoi investir autant dans le cartonnage du château? C'est tout simplement parce qu'il faut accompagner notre croissance et surtout accompagner notre volonté de toujours innover, de toujours pouvoir proposer des choses que les autres ne font pas. Donc nous avons une multitude de technologies qui sont arrivées sur les dernières années, que ce soit de la colleuse de fenêtres, que ce soit de la barquetteuse, que ce soit des vernis UV, que ce soit des découpes spécifiques, que ce soit de la pose d'étiquettes en collage, que ce soit des collages justement très compliqués, et bien entendu la découpe laser il y a déjà quelques années. Donc toutes ces innovations sont faites pour nous permettre de continuer à progresser techniquement, et surtout accompagner notre croissance de chiffre d'affaires très importante. Il est toujours très compliqué de trouver de nouveaux marchés. Pour contourner cette difficulté, c'est pour ça que nous nous appuyons sur une très très bonne équipe chez Cartonnage du Château, à tous les niveaux. Les développements de marché passent bien entendu par cette partie commerciale, où les collaborateurs passent leur temps à nous ramener de nouvelles études, et également par toute cette partie bureau d'études, cette partie création, création technique, création volumique, création graphique. Aujourd'hui, Cartonnage du Château sont pratiquement 7 personnes à temps complet qui font de la création, ce qui nous permet de pouvoir développer de multiples produits et donc d'acquérir de multiples marchés. Et de nombreuses sociétés sont aujourd'hui, grâce au bouche à oreille, en train de chercher à venir travailler avec nous. Quel pourrait être le futur de Cartonnage du Château? Je le vois très bon grâce
au segment sur lequel nous sommes, qui passe son temps à se développer, grâce au plastic bashing, puisque aujourd'hui de multiples industriels fuient les emballages plastiques au profit de l'emballage carton, ce qui nous donne, avec toutes les technologies que nous développons ici, plusieurs longueurs d'avance sur nos confrères, et c'est pour ça que nous continuerons à investir massivement pour toujours accompagner cette croissance. Les relations avec Icon nous permettent de continuer à développer. Pourquoi ? Parce que ces relations sont très bonnes, sont basées sur un partenariat maintenant de longue date et avec des évolutions sur la machine qui sont constantes, ce qui nous permet d'aller encore plus loin dans les solutions techniques que nous proposons à nos clients et donc de continuer nous-mêmes à avancer. La Euclide de chez Icon a de multiples avantages. Parmi tous ces avantages, il y a bien sûr tous ceux techniques qui ont déjà été évoqués, mais il y a également un énorme avantage au niveau marketing. Le fait de pouvoir annoncer sur le marché une technique que les autres n'ont pas nous permet de prendre des longueurs d'avance sur tous nos confrères. Cette machine répond à cette attente.